Bonjour, bienvenue dans Culture Bonjour. Club, Alain Juppé, donc ravi de vous retrouver puisque c'est notre seconde interview ensemble. C'est vrai, le temps passe, c'était il y a 2 ans, c'est ça? Tout à fait. Et depuis, donc, vous avez une nouvelle actualité, on va peut-être commencer par ça. C'est un livre. Je viens de sortir chez Plomb un livre qui s'appelle « Je ne mangerai plus de cerises à l'hiver », ce qui est un petit clin d'œil à la fois à ma famille, à mon enfance, puisque quand j'étais gamin, mon père m'a appris la religion du produit frais et surtout du respect des cycles saisonniers. On ne mangeait pas de cerises à l'hiver. Et puis c'est un clin d'œil aussi à mes amis écologistes qui insistent beaucoup sur ce retour à l'harmonie avec la nature. Faire venir des cerises de l'hémisphère sud en plein mois de janvier, ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre, bien sûr. Du coup, vous faites attention à ça, vous? Oui, parce que j'ai la conviction que parmi tous les défis qui nous attendent, il y en a de nombreux après la crise.